Le Zaïre est pour l'Afrique ce qu'est le cœur pour l'homme. Par son étendue, 2 345 409 km², le Zaïre est le troisième pays d'Afrique. Mais le Zaïre, c'est surtout ce scandale géologique qui suscite tant de convoitises. Le 30 juin 1960, le Zaïre, alors Congo-Belge, accède à l'indépendance. Mais déjà dans l'ombre se profile le spectre de la division de la mort. Sécession et rébellion se succèdent. Du coup, le Zaïre ressemble pour l'Afrique à la déesse de la douleur, assise sur le tombeau, pleurant ses morts. Parmi les victimes, Sœur Anoirité, assassinée lâchement le 1er décembre 1964 à Isiro, victime de sa foi et de sa dignité de femme consacrée. Des hommes utiles à eux-mêmes, à leur famille et aussi à la nation. Donnez-moi l'exemple d'un métier utile. Toi là-bas. Couturière par exemple. Très bien. Qu'aimeriez-vous exercer comme métier après vos études? Micheline. Moi je serai monitrice. Très bien. Qui veut? Alors, moi, je me ferai religieuse. Silence! Alors, je ne sais pas si tu as toutes les qualités requises pour devenir sœur. Agnès! Moi, je serai ingénieure. Très bien. Ida! Moi aussi, je serai religieuse. Très bien. Il est temps. Levez-vous pour la prière. Voilà, je vais. Thank you.
une bonne à rien. Il n'y a que les enfants qui travaillent dans la maison. L'éléphant ne travaille pas, mais a toujours à manger. A toujours à manger, mais grâce aux efforts des autres. Mes enfants, je vais vous lire maintenant la parabole du jeune homme riche. Elle se trouve dans l'évangile de Saint Matthieu. Un homme s'approcha de Jésus et lui dit, « Maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle ?» Jésus lui répondit, « Si tu veux entrer dans la vie éternelle, garde les commandements. » « Lesquels ?» lui dit-il. Jésus répondit, « Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne voleras pas, tu ne porteras pas de faux témoignages. Honore ton père et ta mère, enfin, tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Le jeune homme lui dit, « Tout cela je l'ai observé depuis ma jeunesse, que me manque-t-il encore ?» Jésus le regarda et commença à l'aimer. Jésus lui dit, « Une seule chose te manque, va. Ce que tu as, vends-le. Donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis, viens et suis-moi. » À cette parole, le jeune homme s'en alla tout triste, car il était riche. Jésus alors s'adressa à ses disciples. « Je vous le déclare en toute vérité, quiconque aura laissé maison, père, mère, enfant, frère, sœur ou champ, à cause de moi, recevra beaucoup plus et en partage la vie éternelle. » Vous avez entendu maintenant la parabole du jeune homme riche, celle qui nous parle de l'appel et de la vocation. La leçon d'aujourd'hui est terminée. On continue mercredi prochain à la même heure. Levez-vous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Vous pouvez partir. Merci, Arvardette. Tu es bien, Jean. Voilà. À propos, tu en as pensé? Mon frère, quand j'ai dit que je vais devenir religieuse, tout le monde se moque de moi. Pas moi. Si vraiment tu le désires, tu seras religieuse. Tout le monde dit que je suis pétrie, ma soeur. Douée ou pas, ça n'a pas d'importance. Ce qui compte avant tout, c'est de vouloir servir le Seigneur. À propos, que signifie ton nom, Anouarit? Mon vrai nom est Ningapeta, qui veut dire la richesse trompe. Tandis qu'Anouarit, qui est mon nom de famille, signifie celle qui se moque de la guerre. De quelle guerre t'es-tu moquée? Je ne sais pas, ma soeur. Allô? Attends une minute, je te donne la boîte. Voilà, petite. Merci, ma soeur. Tu ne prends rien? Alors, à plus tard, hein, Yari? Au revoir. Merci, ma soeur.
Et toi, Noiri. Merci beaucoup, papa. Ah. Bonjour, ma soeur. Bonjour, mon enfant. Comment t'appelles-tu? Je m'appelle Anouarit. Que désires-tu? J'aimerais devenir religieuse, moi aussi. Quel âge as-tu? J'ai 14 ans, ma soeur. C'est jeune. Tu as l'autorisation de tes parents? Oui. Et nous pourrions les voir? Ils sont absents, ma soeur. Ah, c'est dommage. Sans le consentement de tes parents, nous ne pouvons rien faire. Oh, ma soeur. Avec les serres de ma femme. Parti? C'est même pas possible. Il y a mon insu. Nous cherchons Sœur Dodo. Sœur Dodo? Oui. Elle est absente, mais je suis à votre entière disposition. Vous pouvez la prendre si vous voulez? Très volontiers. Alors, je peux vous amener quelque chose? Un peu d'eau. Un peu d'eau. Oui. Merci. Très gentil. Veuillez m'excuser maintenant, j'ai un petit travail à terminer. Faites. Regarde, Amarité qui achève ton travail. Elle n'a pas l'air contente, c'est un mauvais signe. Hé, hey, toi, c'est malin, hein? Je ne suis pas la bonne à tout faire, non? Et à Noirite, c'est-à-dire que... C'est-à-dire quoi? Que j'étais un peu fatiguée. J'étais un peu fatiguée. La prochaine fois, tu auras les mains ouvertes. La terrible, Noirite. Seigneur, aie pitié de moi. J'ai un mauvais caractère, car j'ai fait souffrir mes consœurs. En entrant en religion, qu'est-ce que je voulais? Une vie facile? Non. Alors, je ne dois pas me plaindre à cause du travail. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour toi, Seigneur. Je suis à ton service. Ma vocation est une grâce unique reçue de toi. Aie pitié de moi, Seigneur. Je te demande pardon. Je ne voulais pas me fâcher. C'est plus fort que moi. Il faut me comprendre et me supporter. C'est plutôt moi qui dois te demander de me pardonner. J'ai été paresseuse. Alors, n'en parlons plus.
J'ai beaucoup à faire, je vous quitte. Ce n'est pas possible. Elle n'est pas rancunière, en Haïti. Mais simplement, elle est d'un tempérament. Oh, c'est un jeu de jeu, elle est... Bon. Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Épouse du Christ, reçois la couronne de gloire que Dieu a préparée pour toi depuis l'éternité. Mon enfant, que désires-tu? Mon Seigneur, je vous demande de me consacrer à Dieu par le vœu d'obéissance, pauvreté et chasteté, dans la congrégation de la Sainte Famille, pour me sanctifier sous la protection de Jésus, Marie et Joseph. Mon enfant, connais-tu les règles de cette congrégation dans laquelle tu veux entrer? Oui, mon Seigneur, je les connais et je prends la ferme résolution, avec la grâce de Dieu, d'aimer Jésus-Christ qui s'est fait obéissant jusqu'à mourir pour nous, et de servir l'Église dans la pleine disponibilité envers mes frères et sœurs. Si tu veux t'engager vraiment dans cette vie, approche et prononce ta consécration au Seigneur. Très Sainte Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, moi, Sœur Marie Clémentine, quoique indigne de me présenter devant vous, mais pleine de confiance en votre miséricorde, en présence de la très sainte Vierge Marie, ma mère, de Saint Joseph, mon protecteur, je me consacre à votre sainte et glorieuse divinité par le vœu de pauvreté, de chasteté et d'obéissance, selon les constitutions de sœurs de la Sainte Famille, et je supplie votre bonté infinie de recevoir mon offrande et de m'accorder la grâce d'y rester fidèle toute ma vie. Pourquoi suis-je venu ici?
pour m'amuser ou pour servir le Seigneur. Marie, Mère des humbles, accorde-moi la persévérance. Sois ma force et mon appui. Anouarit, une visite pour toi. Une visite? Oui, ton père vient d'arriver. Ah, papa! À nos traditions. Et pourtant, ta mère comptait beaucoup sur toi. Je suis et je reste toujours votre fille. Tu ne peux pas être religieuse et rester en même temps l'une des nôtres. C'est impossible. Il n'y a aucun inconvénient. Je te demande de me laisser libre, papa. Fais-moi ce cadeau. Un moment. Alors, ma petite, ça va? Non, ma sœur, j'ai toujours mal au ventre. Mais tu as toujours de la fièvre. Prends et croque-la, ça te remettra. Ce soir, tu seras déjà mieux. Quant à toi, viens prendre quelque chose pour notre amie Janine. Dors un peu. Mes chères sœurs, notre vie religieuse a deux dimensions, Dieu et les hommes. Par la consécration, nous nous sommes engagés dans la voie du sacrifice et de la perfection. La perfection, nous devons la chercher dans le service de nos frères. Les souffrances, les joies et les difficultés de nos villageois doivent aussi être les nôtres. Comme le Christ a envoyé ses disciples prêcher la bonne nouvelle, aussi irons-nous répandre cette bonne nouvelle par la parole, l'exemple et le service. Mes chères sœurs, aujourd'hui c'est votre tour. Partez. Thank you.
Beauté. 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 Allez, voilà pour vous les petits-enfants. Tiens, ça pour toi. Tiens, toi aussi. Voilà un bonbon pour toi. Un biscuit. Gentil gosse. Ça ira, papa. Attendez un moment. C'est quoi? Vous n'entendez rien? Quoi? Mais c'est chant d'oiseau. Quand flotte dans le silence les aiguilles de notre montre, suivons calmement la voix que Dieu nous montre. Qui est l'auteur de ce poème? Poète inconnu. De mariage. Tu seras mieux de les laisser partir. Mais ils n'ont rien fait. Tu les défends parce que tu es leur ami. Dis-moi qui est ton ami et je te dirai qui tu es. Jésus aussi était l'ami de tous, même des pêcheurs. Pêcheurs de poissons. Mais pourquoi être méchant envers eux? Fais plutôt attention à ta vocation en Henrique. Tu pourrais te gâter en leur compagnie. Oui, on peut partir. Hein? Oui, entrez. Bonjour, ma mère. Ah, c'est toi, Marie. Viens. Assieds-toi, ma fille. Y a-t-il un problème?
on s'est disputé avec une consoeur. Avec qui et à quel propos? Avec la sœur. Elle me reproche mon amitié avec les filles que je connais. Je vous assure qu'elles ne sont pas mauvaises du tout. Je le sais. Dans la vie religieuse, il y a des moments où tout se brouille. Je te comprends, ma fille, car cela arrive parfois à moi aussi. Et dans de telles circonstances, le seul remède, c'est la prière. La prière est un profond examen de conscience. Se demander sans cesse devant Dieu. Seigneur, est-ce que je fais tout cela par amour pour toi? Oh ma mère, je n'ai pas d'autres intentions que d'aider ces pauvres filles à sortir de leur égarement. Dans ce cas, sois tranquille et accepte cette souffrance comme un don de Dieu. Je prierai pour toi, Amarit. Merci, maman. Amarit? Maman. Tu pars demain pour Wamba, n'est-ce pas? Oui, ma mère. Cela tombe bien, car le père Michel doit justement y aller chercher l'huile et autre chose. Tu peux en profiter. C'est une bonne chose, car je rends envie de voir maman. Merci, maman. Au revoir. Au revoir, maman. Et bon voyage. Merci. Tu vois que je suis bien. Et père, tu as de tes nouvelles? Si tu savais combien je souffre. Ton père m'a quitté pour une plus jeune. Mais c'est surtout à cause de vous que cela est arrivé. Comment à cause de nous? Parce que je ne lui donnais pas de garçon. Enfin, il a peut-être raison. Maintenant, je ne sais plus continuer. Tiens, moi, tu pourrais nous aider, tes soeurs et moi. Vous aider, oui, dans des prières. Tu as les diplômes d'institutrice. Tu pourras continuer le même travail ici. C'est la seule façon que tu peux nous venir en aide. Mère, ne les trouves-tu pas que ce que tu me demandes dépasse les bornes? Dieu défend-il à une fille de venir au secours de sa mère qui est indigente? J'en suis une. Tu le sais, en noirité. Je me suis consacrée à Dieu pour toujours. Je te comprends, ma mère, mais tu peux compter sur les autres. Les autres, oui, les autres. Dieu voit ma misère. Il te juge. Car je ne pense pas qu'il soit content de voir une femme se battre seule avec les difficultés de la vie. Tu as commis un péché en me disant de telles choses. Pour tout ça, tu dois dire un chapelet pour ta pénitence. Tu gardes ça, ta mère. Je rentre, au revoir. Même à l'instant, mais sans les enfants. Ils m'appartiennent. Je vais l'inviter, ils doivent partir les enfants avec. Je ne peux pas faire les proposer. Je suis bon, voilà. Papa, ma mère, cette scène n'est pas bien. Calmez-vous, calmez-vous. Il faut que ça va vous pardonner. Ma soeur, c'est pas un mari, c'est un soulage. Sœur, c'est pas une femme, c'est un fléau. Je vois à cause du calvaire qu'elle m'impose. C'est pas vrai, c'est à cause du procédure d'un côté. C'est idiot. Papa, ma mère, il faut vous attendre. Bonjour, monsieur.
Ça va la malade? Ça va très bien. Quelle est sa tension? Elle a 12 8. 12 8. Où est son dossier? Il a reçu tous ses produits? Tous ses médicaments. Je pense que ça va marcher, ma soeur. Maman, ça va marcher. N'ayez pas peur. Bonjour, Sœur Sylvaine. Comment vas-tu, bébé? Très bien, ma sœur. J'ai passé par ici et j'ai pensé te voir et te dire bonjour. Ça tombe bien, j'ai quelque chose pour toi. Assieds-toi, je t'en prie. Merci, ma sœur. Nous venons de recevoir d'Italie de jolis cadeaux. Je parie qu'il va te plaire. Tiens, regarde comme elle est jolie. Oh, la Sainte Vierge. Je l'ai gardée pour toi, Marie. Merci, ma sœur. Je la garderai avec moi pour toujours. Oh, Vierge Marie, toute pure. Au revoir, Sœur Sylvana. Au revoir. Merci. Ça, vraiment, c'est intéressant. Ça, c'est bien. Bonjour, madame. Bonjour, ma sœur. Alors, Marie, tu viens te faire une proposition. Je coupe, ma sœur, un moment. Merci. Emballez vos outils, il est temps. Dépêchez-vous. Au revoir, mes filles. Au revoir, ma sœur. Merci. Je t'écoute, ma sœur. Pour la fête de Sœur Damien, nous avons décidé de jouer la parabole des vierges sages et des vierges folles. C'est bien, ma sœur. Moi aussi, je vais jouer. C'est pourquoi je viens te proposer de jouer la vierge folle. Quoi? La vierge folle? Moi? Il n'en sera pas question. Alors, Henri. Dans ce cas, je ne joue pas. Qu'est-ce qui te prend? Après tout, c'est du théâtre. Même si c'est du théâtre. Moi qui désire tant être la Vierge et celle de Jésus. Vous trouvez que je conviens dans un rôle de folle? Pas question. Allons, Marie, calme-toi. Calme-toi, je t'en prie. Dans ce cas, on prendra une autre. Mais, après tout, la pièce n'a rien à voir avec ta vie religieuse. Même si l'année est ainsi, pas question de me faire jouer la folle. Puisqu'il en est ainsi, on verra ça plus tard. Oui, entrez. Ah, c'est toi, Noré. Qu'est-ce qui t'amène? Écoute, c'est une idée. Puisqu'on a renoncé à la parabole, je propose ceci. Vas-y, petite chérie. Mais que ce soit un secret entre nous deux. Voilà. Demain, après les soupers, nous allons improviser la danse guerrière qui nous a vu vivre à l'époque. Tu battras les tam-tams et moi je danserai. Chouette ton idée, mais pour les costumes, je m'en charge. Ça va? Très bien. Bon, ça va. Merci. J'aimerais danser pour faire plaisir à tout le monde. Mais comme la sœur fidèle est malade, tu vas lire ceci devant la sœur Damien et reviens m'aider à battre les tam-tams. Les tam-tams? Je ne sais pas si je m'en sortirai.
Mais c'est justement ça, ma soeur. Chère soeur, madame, mademoiselle, ce soir, fête de notre maîtresse, sœur Damien, toute la communauté religieuse de la Sainte Famille est conviée à un numéro, mais by art, deux doles, deux vagabondes qui reviennent tout droit du ciel. Devant Nazareth. Qu'est-ce qu'il fait? Et alors, pourquoi courez-vous? C'est la fuite. On a peur. Et vous abandonnez les autres. S'il faut mourir, allons mourir ensemble. Allez, rentrez-vous. Bonjour, y a-t-il quelque chose? Je viens avec l'accord de vos autorités et des miennes pour vous conduire en un lieu sûr, Wamba. À Wamba, vous serez en sécurité. Je pense que tout le monde est au courant de la situation qui prévaut dans la région. Et pourquoi ces armes? C'est pour vous protéger contre les Américains. De toutes les façons, vous prenez le strict nécessaire, juste de quoi vous servir pendant le voyage. De toutes les façons, vous regagnez le couvent dès que le danger est écarté. Entendu. Bonjour, papa. Bonjour. Je parle de Jésus si je reviens. Ta femme est parfaite, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. C'est la cause d'un garçon dont lui le nom d'Alphonse. Si je te suis, appelle-la Clémentine. Adieu. On met son meilleur costume pour rencontrer le Seigneur. On ne sait jamais. Bonjour ma soeur, que se passe-t-il? Il paraît que nous partons à Wamba. Je suis pessimiste, mais
Je ne fais rien. Mais je n'y comprends rien. Je n'y comprends rien. On sait pourquoi. Mais savez, je voudrais me confesser avant de partir. Peut-être c'est la dernière fois qu'elle se voit. Ah non, on n'y dit surtout pas cela. On ne sait jamais, monsieur Adé. Je laisse tout ici, mais pas ceci. Nous sommes obligés de passer la nuit ici pour ce soir. Vous allez vous installer dans la grande salle d'angle. Ça va? Merci. Conduisez-les. À vos ordres, chef. Tout le monde par ici. Thank you.
heureux pour ce soir. Mais vous me donnez déjà l'impression de dormir. Pourtant, on prépare quelque chose. On va te laisser en venir. Amalité, avez-vous apporté quelque chose à manger? Oui, madame, il y a des biscuits. Donnez-en à chacun. Donnez par ça. À vos avances. Viens la signaler.
Embarquez. Nous ne pouvons pas le faire. Si vous voulez, faites-le vous-même. Oh, soldat, enlevez-moi toutes ces croix et heureuses. Si nous trouvons encore une sœur avec une image ou un chapelet, tant pis pour elle. Voilà qui est bien dit. Avec ça, j'ai déjà tué les missionnaires de Batama et de Papa Sendé. Je les ai jetés dans l'eau. Et je ferai de même avec vous, fille de Bafobaka, à condition que vous ne m'obéissiez. Nous ne vous tuerons pas, car vous êtes nos sœurs. Mais il faut que vous quittiez vos habits religieux pour mettre les bagnes comme les autres femmes. Nous ne devons pas tuer les religieux. Les sœurs ne sont pas nommées avec le sang de religieuses, car ce sont nos sœurs. Non, colonel Gallo. Non, non et non. Pas d'accord avec toi. Et on sera de même de celle qui osera garder un objet religieux. Aussi vrai que je m'appelle Gallo, ils vont toutes mourir.
Vous avez entendu? C'est le représentant du général Onega. Sa décision sera exécutée, car il est plus haut gradé que nous. Vous enlèverez toutes ces roches. Vous porterez des pannes, comme nos femmes. Elles ne manquent de nous et de tout ce que nous leur disons. Elles ont dans la tête des idées inculquées par des flamands. Et qui peine, Kindelg, contre le dôme. Allez, remontez toutes. Bande de saintes, les tous. Allez, montez. Allez, vite. Direction Isiro. Isiro. À vos ordres, mon colonel. Isiro. Dans notre entreprise révolutionnaire, nous devons à tout prix supprimer, anéantir la religion chrétienne implantée par des blancs dans notre pays. Pour ce faire, je pense qu'il est nécessaire d'éliminer absolument tous les missionnaires blancs. C'est déjà chose faite. Leur chef, le Monseigneur Wittebals, a été exécuté hier soir. Je suis d'avis d'éliminer tous les missionnaires, mais pas les religieuses congolaises. Elles sont de la même race que nous. Ce sont nos sœurs. Nous devons les convaincre à quitter leur religion et à devenir des femmes normales. À cet effet, je propose de leur offrir une occasion. Choisir quelques-unes et passer la nuit ensemble. Oh! Excellente idée. Ça, c'est une idée géniale. S'ils acceptent, nous aurons certainement gagné le pari. Qu'en pensez-vous? Pour réussir, il faudra aller avec ruse. Ce sont des femmes intelligentes. Je propose une stratégie. Démolir le groupe. Ensemble, elles sont fortes. Isolées, elles tomberont sans difficulté. Bravo! Bravo! Je vous avais dit que nous venions à Isiro. Vous ne m'avez pas cru. Voilà où nous sommes là. Attendez qu'elle fasse seulement 2 semaines. On les enverra toutes à la maternité. J'ai choisi. Et toi? Ma mère, j'ai un service à vous demander. Je vous écoute, colonel. Vous nous laisserez Anwarite avec nous. Cela ne se fait. Anwarite est une sœur, une personne consacrée. Consacrée, oui. Toujours pour nous, consacrée. Mais pour le père, vous êtes toujours disponible, n'est-ce pas? Elle restera avec nous. C'est un ordre, ma mère.
Ma manière, c'est abominable ce que je viens d'apprendre. Qui a-t-il à Noirite? On veut que je devienne la femme d'un galop. Vous vous rendez compte? Je vais fuir, il est faux. Calme. Et calme-toi, Noirite. Je vais m'en occuper personnellement. Et puis, il fait nuit. La situation n'est pas claire. C'est dangereux pour toi. Anoirite, Anoirite, il y a quelque chose pour toi. Tu pleures? Oui, j'ai peur. Tu connais le martyr de Perpétue? Non. Mariée, enceinte, étant en prison, pleurer au moment de l'accouchement. Anoirite. Anoirite! Descends! Tu partiras plus tard. Descends, je reste avec toi. Sortez! T'as pas besoin de vous ici. T'as besoin de Marie. Je reste, je suis la supérieure de toutes les servantes. Dors! Ma mère passait au salon, nous verrons ça plus tard. Si on mourit, nous sommes prêtes à mourir. Jamais ne réveillerons notre vie religieuse. Et son bourreau lui dit, tu pleures maintenant? Et quand sera-t-il au moment de ton exécution? Et Perpétue lui dit, maintenant c'est moi qui pleure, je souffre. Mais au moment de mon martyr, c'est un autre qui prendra la place. Alors, toujours têtu? Nous sommes des femmes de parole. Tais-toi, je vais tuer la ton âme. Vous ne la tuerez pas, c'est moi qu'il faut tuer, pas d'elle. Taisez-vous! Je vais pas d'équipe d'entendre vos sermons. Vous avez trop empêché les bangers. Allez-vous! Mes soeurs, comme que tu répètes. La nourriture est prête. Assieds-toi. Pour la dernière fois, Anoirite, veux-tu être ma femme? Jamais de la vie, je préfère mourir. Non. Debout, petite prétentieuse. Mes problèmes ne servira à rien. Je me suis consacrée à Dieu et pour toujours. Ce que vous êtes en train de faire est contre notre religion et notre tradition. Notre religion et notre tradition. Mes traditions interdisent à une fille de faire l'amour. Vous êtes ni chrétien ni africain puisque vous bafouez notre religion et notre tradition. Pour ma part, je l'ai dit, invité à faire le garçon d'un objet. Maintenant, on fait la prête de la fin. Tant que les deux sœurs restées ne seront pas ici avec nous, nous ne toucherons pas cette nourriture. Vos deux sœurs? Oui. Je les ai jetées dans le fleuve. Ah, pas possible! Non! Oh. Calmez-vous! Calmez-vous! Je m'en vais les chercher. Mais de quoi parles-tu ainsi, toi? Je suis la supérieure de toutes mes consœurs. Je suis la supérieure de toutes mes consœurs. Quant à ton petit garçon, contrôle bien ta langue. Je vais chercher le dessert pour le repas. Les autres ne veulent pas manger sans respect. Les autres ne veulent pas manger sans respect. Finalement, qui commence ici? C'est moi qui suis le monstre. Bon, conduisez-le. Et tâchez de me ramener à l'unité tout de suite après les repas. Remets ton bain. C'est celui qui me l'a arraché les remèdes. Amorite, remets ton bain. Tu es prêt, papi. Allez, parti. Tout à l'heure. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Bénis Seigneur ce repas. Bénis ce que l'on a préparé pour restaurer nos forces. Donne-nous la force de supporter les souffrances pour que nous puissions porter ton amour partout où la haine aveugle le cœur des hommes. Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.
Ma mère, je vous apporte quelque chose pour vous remettre. Ma mère ne buvait pas de ses vins, c'est douloureux. Non, merci. Anorith, mange quelque chose. Ma mère, je suis très fatiguée, je n'ai pas d'appétit. Mange. Nous sommes toutes dans la même situation. Si vous voulez que je mange, mangeons ensemble dans le même plat. D'accord. Il nous a frappés. Il voulait à tout prix avoir Norette, mais la petite s'est très bien défendue. Pauvre enfant. Quel genre d'homme qui se rebelle. C'est l'heure des ténèbres. Prions beaucoup. Notre esprit est fort, mais notre chair est faible. Priez pour moi, ma mère. Mon âme est triste. Je sens que je ne resterai pas avec vous jusqu'à demain. Notre prière à ce moment doit être celle du Christ au jardin des oliviers. Permettez de manger. Maintenant, vous allez vous coucher. Dans la maison, il n'y a plus de chambre. Nous avons l'habitude de dormir ensemble. Nous dormirons tout au salon. Je vous dis d'aller vous coucher dans différentes chambres. C'était bon. Pourquoi pas, là, là. Seigneur, je suis prête. C'est toi, mon époux, que ta volonté soit faite. Viens avec moi. Non, je ne viendrai pas avec vous. En réalité, une fois, debout. J'ai dit non, car j'ai fait ma promesse à Dieu et je tiens à mon engagement. En réalité, réfléchis un peu. C'est une chance qu'on offre de devenir la femme d'un officier supérieur. C'est une chance. Tu fais une grande dame. Colonel, vous m'avez dit que vous avez une fiancée à voir. Et quelle est vierge? Vous avez dit à son père de la bien garder. Moi aussi, je suis vierge. J'appartiens à Dieu. Tu oses de parler de ma fiancée? Elle est jolie. Elle n'est pas comme toi avec une longue tête. J'ai ma tout. Je me consacre à votre sainte et glorieuse divinité par le vœu de pauvreté, de chasteté et d'obéissance selon les constitutions de sœurs de la Sainte Famille et je supplie votre bonté infinie de recevoir mon offrande et de m'accorder la grâce d'y rester fidèle toute ma vie. C'est aujourd'hui notre témoignage de pureté des cœurs. Dis, je constate que le colonel commence à devenir fou. Cachez vos fusils, sinon il risque de commettre des bêtises. Avançons. Avance. Poignard. Ah, c'est si que je l'ai voulu.
Préparons-nous. Olombé va venir nous tuer. Il a dit qu'il va m'épargner parce que je suis infirmière. Alors tu resteras seule quand nous serons mortes. Enlève ton insigne et viens mourir avec nous. Maintenant, nous allons toutes mourir. Mettons-nous à genoux et demandons pardon à Dieu. Dieu, notre Père est source de miséricorde. Nous sommes prêtes à te rendre témoignage avec notre vie. Nous te demandons pardon pour tous nos péchés. Montre-nous, en ce moment suprême, ta miséricorde et accueille-nous dans ta gloire. Amen. Allez chercher le corps de votre consoeur. Clémentine, Marie-Clémentine, sœur Anne-Marie. Elle vient de mourir. Laissez la Anne-Marie, mes sœurs, tellement de pleurer. Rendons grâce à Dieu car nous avons notre première martyre et chantons le Magnificat. Mani.